deuxième show. C'est un tout nouveau TV show, on va dire. Ah ouais, vas-y, let's go. Je sais pas si vous allez me trouver pas. Bienvenue tout le monde au GF Show. C'est un tout nouveau TV show. Vous allez voir que je suis pas connu, mais bon, on va avoir du fun. Ah ouais, go. Bienvenue tout le monde au GF Show. Qui sait, je vais peut-être devenir gros. Vous allez voir, je suis pas que le moigno. Et je viens pas des bons jeux de mots. Bienvenue tout le monde au GF Show. Et j'agis même parfois en roseau. Je vais essayer de vous en donner trop. Mesdames et messieurs, bienvenue au GF Show. Le lancement disque de GF Bull. Alors bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices de TVC22. Je me nomme Carl Pronovo et je suis ici présentement au barbecue de TVC22, mais également le lancement de CD de GF Wool, un artiste de la région qui lance un CD de musique humoristique composé par lui-même. Alors, sous la frénésie des événements, nous allons aller interviewer des connaissances de GF pour leur demander qu'est-ce qu'il en pense de cet événement. Suivez-moi. Alors, Robert, es-tu content d'être ici aujourd'hui? Absolument. Dû à beaucoup trop de temps libre et peut-être un manque de talent, je suis finalement au lancement de disque de mon meilleur ami. J'ai tellement hâte. Ça va être bon, je vous dis. On s'attend à quelque chose de gros, là. Alors, Francis, dis-moi, qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui? Ben moi, je suis toujours prêt à encourager les talents locaux, qu'ils soient talentueux ou non. Moi, je vais être là. Alors, Stéphanie, quelle est ta chanson préférée de GF? Ah oui, oui, oui! Peanut Butter! Lancement 10 de GFO. C'est qui ça, GFO? Je m'en f*** de GFO. Moi, je viens de frapper une tortue là, sur le bord de la 17. J'ai pogné un flat. Puis j'étais avec ma femme. Faut qu'on aille faire les commissions. Faut qu'on soit à la maison pour 4 heures parce qu'on en reçoit du monde. Mais by the way, tu connais-tu un mécanicien? Non. Ah ben s'il n'y a pas de mécanicien, moi je f*** mon camp. J'ai pas le temps là, parce que ma femme m'attend. Là. Bye. Alors, mesdames, aimez-vous GF? Alors, allez-vous être à son lancement? Je sais pas, c'est quand encore? C'est demain. Oh, je me lave la tête demain. Demain. Ben, c'est à quelle heure? C'est à 7 heures. C'est l'heure du bain de Ellie, je peux pas être là. Ouais, puis moi, faut que j'y aide parce qu'elle est pas capable de faire tout seul. Désolée. Alors, GF, dis-moi, es-tu fier de ton accomplissement ici aujourd'hui? En effet, oui, je me suis brossé les dents ce matin et ça s'est très bien passé. Je suis très fier de mon accomplissement. Merci. OK, alors, c'est quelle ta chanson préférée? La Macarena. Je parle de sur ton album. J'aime bien Raquette dans boîte. Oui, par expérience personnelle, le nombre de fois que j'ai été faire de la raquette dans boîte puis je me suis cassé la gueule. Ça fait bien mal, ça m'a inspiré à écrire cette chanson-là puis le monde capote dessus. C'est pas la fun. Alors, GF, dis-moi, c'est quoi ton public cible avec cet album? Mon public cible, c'est une très bonne question. On peut-tu passer à la prochaine, s'il vous plaît? Oui, si vous voulez. Alors, GF, d'abord, parle-nous donc de toi. Qui est GF Wool? Mon public cible, finalement, c'est du monde dans la vingtaine, je pense. Oui, une vingtaine, plus jeune aussi, mais il y a des adultes, y a certains adultes qui aiment ça aussi. Fait que quand même, ouais, je pense que c'est ça mon public cible. Mais j'ai pas de fusée avec moi pour cibler le monde, vraiment, ou de. Tu sais, la Target, là, j'ai pas ça, mais en tout cas, je pense que c'est le monde public cible, ça. C'est moi. Donc, oui. Alors, GF, si tu avais comparé ton album à un animal, quel serait-il? Eh bien, très bonne question. Je crois bien que j'irais pour une laitue, hein? C'est vert, ça se mange bien, hein? C'est bon pour la santé quand même. Donc une laitue, oui, oui. Ouais. Alors sur cette note inspirante, GF, nous allons aller voir ton lancement de disque en personne. Je suis bien content, merci d'être là. Hein? Merci tout le monde qui s'est présenté, merci. Fait plaisir, GF. Merci, là. Le lancement de disque de GF Bull. Alors, aujourd'hui, je veux vous présenter un artiste fantastique de la région. Alors, j'espère que vous allez accueillir chaleureusement Monsieur GF Wool! Ouais! Merci, restez, fonctionne, vous m'entendez, restez, attendez, what? Non, oui, non, pas de réponse, oh, bien, bon, les enfants, très bon, ok, on a un sport. Donc, oui, c'est l'élancement de mon CD, très bien dans ma tête.
Donc, il y a un bon 3 semaines, quand même. Beaucoup de motivation. Donc, sans plus tarder, je vais me mettre à jouer. Donc, si vous connaissez les paroles, joignez-vous à moi.
un CD, hein? Je suis fier de jouer devant vous. Hein? J'ai vu que vous avez beaucoup de motivation, vous avez adoré. Donc, merci pour le sport, votre sport. Grâce à vous, j'ai fait ce CD. Grâce à ma famille qui m'a délaissé à 3 ans, j'ai pu supporter le mal, c'est tout intérieur. Ainsi que mes amis qui, durant la fin de semaine, me teachaient pour aller ailleurs. Donc, pour vous organiser, je suis venu dans ma bulle et je disais, on va faire des chansons pour papa. Alors, sans vous tarder, faisons l'ensemble de disque. Alors, merci tout le monde. You people. We're bad guys. It's what we do. Nothing really matters to me. Ah! Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à nos comics cinéma avec mon nouveau assistant ici que je vous présente. Sébastien, oui, Sébastien, comment ça va, Sébastien? Ça va très bien, toi. Comics cinéma, on parle d'un film récent que tu as vu récemment au cinéma, peut-être en Blu-ray, peut-être en DVD, peut-être sur ton iPad, peut-être sur le streaming online. Je sais plus, la technologie avance trop vite, je suis capable de bien rêver, man. Alors, de quel film tu me parles aujourd'hui, Sébastien? Suicide Squad, car c'est ça! Tu penses le nom, on a dit tout, non? Du tout? C'est quoi ça, Suicide Squad? Du monde qui suicide? Une équipe de gens qui suicide. Ils ne se suicident pas. Okay. C'est pas un suicide. Okay. C'est plus une mission de suicide. Une mission de suicide? Et quelle est cette mission? Et premièrement, avant même la mission, qui est dans ce film? Ben, il y a l'acteur Will Smith. Oh, Will Smith! Mais il est pas chanteur, oui! Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Chanteur et acteur. Chanteur et acteur. T'as pas des fêtes, toi, ce gars-là. Mais après ça, Will Smith, lâche pas, tu m'impressionnes! Oui. Ensuite, qui est l'autre? Ben, il y a Margot Robbie. Margot Robbie, ça, c'est qui, ça? C'est une actrice pas trop découverte encore, mais elle joue le rôle de Harley Quinn. Harley Quinn? Qui est la blonde du Joker. La blonde du Joker? Hey, Joker, c'est pas une blonde, je suis capable de rêver, moi. T'as l'air de prendre un bon gars, toi, un Joker, pis en plus, c'est pas une blonde. Je te dis. Pis qui d'autre qu'elle donne? Les autres. Je suis pas trop sûr des noms. T'es pas trop sûr des noms. Ah, je sais. Mais là, c'est une équipe, là. Je veux dire, ils sont combien là-dedans? Ce Suicide Squad-là, c'est une équipe de combien de personnes? Ils sont comme 6-7 à peu près. 6-7, pis tu sais pas c'est qui les autres, là. Non, c'est ça. Là, je vais questionner ton sujet. Ah, oui, je m'excuse. Est-ce que t'as porté attention au film ou pas? Donc, le film aussi était réalisé par qui, est-ce que tu sais? Le réalisateur, son nom, je l'oublie. Il est sur le bout, regarde. C'est tout. David Ayer. Exactement. David Ayer. Et puis le film, je me trompe pas, il dure combien de temps au total? 2h10. Il a trouvé 2h10. 2h10 de temps précieux à regarder ce film majestueux qui, en 2016, a été un gros blockbuster, je me trompe pas. Tout le monde attendait ce film-là. Il était attendu, ça fait longtemps. Moi, hein, je l'attends encore. Tu l'as pas vu? Ben non, j'ai pas vu, moi, écoute bien. La première fois, j'ai pas vu. Alors, la mission, qu'est-ce qui se passe dans la mission? Mais c'est une vue d'action, c'est effrayant. Ah, t'as de l'action d'un bout à l'autre, mais il y a toujours des petits twists bizarres parce que, dans le fond, c'est tellement. Pourquoi tu irais chercher du monde qui sont des méchants emprisonnés pour aller faire une mission dans une ville où c'est tout le monde? C'est vrai, pourquoi? C'est la partie du réalisateur que j'ai jamais compris encore. Mais non, mais c'est, on va y aller, ce gars-là. Ben, je sais, on va aller à ce concept-là. Je sais. Méchant, je comprends pas. C'est juste que, au lieu de prendre du monde qui prenne à cœur, et on dit on va prendre du monde qu'on sait. Qui ont pas de cœur. Ouais. Non, ben c'est ça. Ils ont pas de cœur, ils sont en prison. Ils ont plus de cœur. Ils ont plus de cœur, ils ont pas de cœur. Ils sont en prison, ils mangent juste ce monde-là. Tu sais, du monde qui ont plus rien à vivre, on va les envoyer. Puis, ben, si ça marche, ça marche pas, ben. Il n'a pas rien à vivre, donc c'est ça un suicide, une mission suicidaire. C'est ça. Tout le monde s'en fout. Tu m'engages, je vais aller tuer du monde, mais je suicide, je m'en fous, mais. Mais il y a toujours un twist. Il y a toujours un petit twist. Il y a un twist! Oh my god, je capote! C'est le petit twist, c'est que Margot Robbie est en prison. Ouais. Tu sais, son personnage, Harley Quinn, est en prison. Ouais. Mais elle vient à bout de contacter le Joker, son chum. Comment? Pour qu'il vienne la sauver. Ah! Fait que là, le tank essaie de faire la mission, mais le Joker, il tue la majorité, ben il essaie de sauver Harley Quinn, pis en tuant des soldats qui sont avec eux autres. Tellement cruel, Joker, tellement cruel. Je te respecte plus, je t'ai jamais respecté. T'es laid, Joker, t'es laid. Alors, l'histoire pour toi, est-ce qu'elle fait du sens? Je veux dire, l'idée du monde qui veut se suicider pour aller faire une mission, est-ce que ça tient debout? Je veux dire, de séquence en séquence et tout ça? Est-ce que ça tient debout?
Moi, je dirais que oui. Moi, je dirais que oui, parce que c'est pas réel, parce qu'il y a des bébites, du monde. Tu sais, il y a un homme crocodile là-dedans. Hein. Il y a un homme crocodile là-dedans. Donc, il y a un homme qui est déguisé en crocodile. Il n'est pas déguisé, c'est un homme crocodile. Donc, je me comprends bien, c'est un homme déguisé en crocodile. Mais écoute, ça ne pas être quelqu'un crocodile. C'est quelqu'un forcément qui s'est déguisé en crocodile. Ah, pour faire le film, oui. Non, c'est ce que je voulais dire. Mais si tu te fies au film, le film est toujours réel. Ben, un film, depuis quand c'est réel, le film? Mais si tu entres dans l'histoire, l'histoire est réelle. Ah, qu'est-ce que tu rentres dans l'histoire? Mais comment si techniquement tu prends ça, rentrer dans l'histoire? Ça veut dire qu'il faut que tu descendes les marches au cinéma, tu rentres dans le screen pour rentrer dedans, right? T'as oublié d'ouvrir la porte. Quelle porte? T'as besoin d'une porte? Ben, il faut que tu ouvres la porte avant de monter les marches. Ok, excusez, ça fait tellement de temps, j'ai pas été au cinéma, je savais plus qu'il y a une porte. Moi, j'allais directement, tu t'assois, tu défonces, tu cours, puis tu traverses la crête. Nice. Quand même, scénario. Donc, le scénario, il est so-so-so, hein? Ben, moi, j'ai bien aimé. J'ai bien tu l'as bien aimé. T'as-tu un personnage préféré dans ce film-là qui dure 2h10? Ah, ben, j'ai bien aimé le personnage de Will Smith. Qui le est personnage de Will Smith? Deadshot. Tireur d'élite. Jamais manqué sa cible. Ah, c'est impressionnant. Hey! Excusez, pardon. Exactement. J'ai jamais manqué personne. Tabarouette, excusez-le, pardon. Fait que dans le film, il manque pas sa cible. Il tire tout le monde, pis. Ah, c'est pas vrai. Une fois, il l'a manqué, mais c'était volontaire. Comment ça, c'était volontaire? Je veux des réponses immédiatement sur le champ. Allez! C'était volontaire parce que ça avait fait donner un ordre de tirer Harley Quinn, mais pour faire semblant de tirer, il a tiré, mais il a tiré à côté. Ben là, comment? Okay. Une chance que tirer à côté, parce que sinon, la rapa était là. Ben c'est ça. Puis c'est elle qui fait le film, finalement. Cette performance oscariesque, si je peux me permettre de dire. C'est bien Oscar ça. Oscar pour toi, Mario! C'est l'affaire. Pourquoi aller chercher quelqu'un qui se promène avec un bat de baseball? Elle a même pas de veste tactique, elle a rien. Elle a juste des petits shorts, un petit t-shirt. Puis un bat de baseball. Tu viens de dire, le sexe pire. Tout ça va. Tiens, elle est belle, elle est sexy, ça va se vendre. Mais moi, on va aller voir cette femme-là juste pour elle. Même si c'est nul, elle, ça passe parce qu'elle est hot. Exactement. C'est ça que c'est. Puis en passant, je pense que c'est le même actrice, elle a joué encore dans Will Smith dans un autre film qui s'appelle Focus, hein. Tu l'as vu? C'est possible, c'est possible. On fait des recherches là-dessus, la recherchiste. Oui. Ah, vous trouvez, hein, c'est ça? Focus. Focus, man. Focus. Est-ce qu'il y a des bonnes. Séquence cinématographique comme côté action, est-ce que c'est toute la CGI ou c'est vraiment de l'action réelle? Tu sais, la bonne vieille action comme Die Hard. Il y a beaucoup de CGI. Ah, tabac! CGI, quoi la CGI? Pourquoi? Pourquoi toujours utiliser la CGI? Ça coûte moins cher à faire? Je sais pas si ça coûte moins cher à faire, mais l'affaire, c'est que quand tu vas avec des comics, tu sais, des films basés sur des comic books. Ce qui est très populaire en ce moment. Exactement. Ça n'arrête plus. Tu sais, des fois, il y a certains personnages que. Ils sont impossibles à créer en tant qu'une personne déguisée, alors c'est plus simple d'avoir mettre ça en CGI pour que meilleur tournage. Mais t'es en train de me dire que dans l'équipe de 6 ou 7 personnes qui sont là, qu'il y a du monde qui sont même pas là pour de vrai, c'est de la CGI? Ça marche pas! Pas dans cette équipe-là! Ok, pas dans cette équipe-là, mais dans une autre équipe! Dans l'équipe qui vont contre, dans le fond. Là. Ils sont même pas là! Ça existe pas ce monde-là! C'est monde. Ça, fait que, dans le fond, ils tirent dans le vide. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça tirer dans le vide? Je sais. Non, mais c'est long, mais stupide. Là, c'est une perte. Ouais, c'est de la pratique qu'ils font, I guess. La pratique. Non, mais ça se peut-tu, toi? Non, j'en ai pas. Ça me choque, ça me frustre. Et ça prend quand une équipe qui n'existe même pas, c'est de la CGI. Come on! Il y en a qui existent, par exemple, certains personnages, mais ils peuvent pas toutes les. Tu sais, sinon, ça serait bien trop de monde à déguiser. Mec, trop long, surtout que le film dure 2h10. C'est ça, là. C'est un peu. Exactement. Ok. Alors, sur une cote de 10 sur ce film-là, comment tu donnerais là, par rapport au look et l'histoire et tout ça? Et comment t'as aimé? Moi, je dirais un bon 8. Un bon 8, c'est solide. Un solide. Et t'as-tu des côtés positifs et côtés négatifs à donner à ce film-là? Côté positif, continue ce qu'ils font. Côté négatif, pas sûr. T'as pas mal. Solide. Peut-être une histoire un peu plus solide, mais c'est quand t'as 7 personnages principaux différents, c'est dur d'avoir une histoire qui se tient tout dans le temps. On va faire une télé-réalité de tous ces personnages-là, finalement, à chaque semaine, il y a quelque chose qui arrive avec Margot Robbie. Ben, c'est justement. Parce que moi, j'ai entendu dire que Joker, qu'on le voit pas souvent dans le film. C'est-tu vrai, ce qu'on le voit pas souvent? C'est vrai qu'on le voit pas souvent. Ah, on le voit pas souvent. Pourquoi? Il se cachait, lui? Il a moins d'accueil, puis je m'en vais me cacher. Il se cachait, mais quand tu y penses, le film, c'est pas marqué de Joker. Non, c'est vrai, mais dans la bande-annonce, par exemple, il y avait beaucoup de Joker, il aurait pu laisser faire de montrer le Joker, puis juste montrer le reste de l'équipe. Mais non, Joker, il est là. Ouais, ça a déçu beaucoup de monde. Ça a déçu beaucoup de monde, oui, mais après ça, c'est quoi? Veux-tu voir la bande-annonce qui te montre le film au complet ou juste voir une bande-annonce pour t'aller voir le film? T'as un bon point, j'avoue, c'est pour ça que moi j'ai pas été le voir. La bande-annonce m'intéressait pas, je comprenais. Ils ont d'ailleurs fait un nouveau look frais pour le Joker qui est pas aussi attirant comparativement à Heath Ledger. Ouais, c'est ça. Moi,
personnellement, Heath Ledger, c'était le meilleur, là, mais... Ben, moi, j'aimais mieux Heath Ledger que... Heath Ledger, repose en paix, mais il était tellement bon, tellement dark, donc je sais pas si Jared Leto est aussi dark que celui-là. Non, il était pas aussi dark. Il était pas aussi dark, mais il est plein de tattoos, je pense, je te cours. Ouais. Ouais, pis y'a-tu une petite voix bien niaiseuse, comme... Pas tant que ça, là. Non, pas tant que ça, ok. Bon, mais c'est bien, là, tu donnes un bon 8 sur 10, est-ce que tu recommandes aux gens de voir celui-là? Ben, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. À 8 sur 10, pas le choix, là. Ben, là, on a toujours un choix. Ah, toujours un choix. Toujours un choix, t'as dit moi. Si vous êtes pas un fan de ces films-là, allez-y pas. Allez-y. Regardez-les pas. C'est clair. Mais si vous êtes un fan, hey. Ben, qu'un. Moi, là. Ce film est là, là. Je me garoche pour aller voir, tu penses, moi? Moi, je te remercie de ta chronique, puis je me garoche à aller voir tout de suite. Ah, ben, à la prochaine. Mesdames, messieurs, bonjour, ici J.F.U.L. Cui qui est de retour avec des expressions, des observations sur les patois que les gens disent autour d'eux autres mêmes et autour de moi qui ne font pas de sens et réalisent pas comment stupide ça sent. Non, mais vraiment, ça n'a plus de sens, là. Et, changement un petit peu de format pour les observations, je vais encore continuer à élaborer les expressions et tout ça, sauf qu'au lieu d'en prendre juste une, je vais en prendre maintenant trois. Parce que figurez-vous que même en cherchant sur Internet toutes les expressions que les patois qu'ils utilisent, il y en a une tonne. Puis je finirai pas, je finirai jamais, il y en a tout le temps. On dirait que c'est une mode d'en créer un autre. À chaque jour, moi, on va créer une expression que le monde va se poser des questions. Ma mode-là est tellement cool, parce que moi, dire. Là. Donc, trois expressions au lieu d'une. Commençons tout de suite. Ça vous tente-tu? Hein? Ben, ça vous tente pas, je vais faire pareil. Première expression. Vous parlez avec un ami de longue date, ça fait très longtemps que vous l'avez pas vu. T'sais, vous jasez, vous parlez, vous avez du fun, beaucoup de plaisir. Et puis le temps passe, et puis finalement, votre ami regarde sa montre et comme, écoute, Jeff, je dois te laisser, mais c'est super le fun de te parler. Faudrait qu'on continue à parler. Écoute, je t'invite chez nous, tu viendras prendre un verre, ça va être super le fun, tu vas voir. Et moi, je suis comme, hein? Qu'est-ce que t'as dit? Ben, tu viendras prendre un verre, là, je t'invite, là. Hé, hey, là, moi, je suis pas incapable, là. Pas incapable. Prendre un verre, c'est parce qu'il manque un peu de détails à ton histoire, là. Tu m'invites de prendre un verre chez vous, là. Peux-tu élaborer? Parce que techniquement, si je vais chez vous prendre le verre, ça veut dire que j'ouvre la porte d'armoire, je prends le verre et je le tiens. L'action est commise, j'ai pris le verre. Mais après ça, je fais quoi, moi? Hein? Je le mets-tu sur le comptoir? Je le mets-tu dans l'armoire? Je le mets-tu par terre? Je mets-tu de la terre dedans? Je fais ça à la vaisselle? Qu'est-ce que je fais? Je le casse-tu? Je comprends pas. Il manque des détails. Je comprendrais mieux si tu me dirais, ben, hey, je t'invite, viens prendre un verre de bière chez nous. Viens prendre un verre de jus chez nous. Viens prendre un verre de coke chez nous. Mais là, non, juste viens prendre un verre. Puis il y a divers types de verres, là. Verre de contact, verre de terre. Il y a des verres de plastique, des verres de Tupperware, avec des bibelots en vitre, là, tu sais. Fait que moi, je me ferais pas avoir, moi. M'arriver chez vous durant un party ou whatever, pis tu vas me donner un verre de terre, comme... Surprise! Hey, je suis pas un crétin, moi. Non. Mais ça peut quand même avoir une certaine utilité, un certain avantage. Admettons, tu tiens un verre, pis t'es vide, mais personne ne le sait, là, t'sais, pis t'es cool. Un party, là, t'sais, là. Ou comme, t'sais, qu'on pourrait comparer ça à un gars qui a une bière. T'sais, y'a pas les mouvements de danse, mais juste être cool parce qu'il tient la bouteille. Yeah. Mais là, c'est le verre. Donc, y'a une fille à l'autre bout de la pièce qui vous regarde, comme... Hey, je me demande qu'est-ce qu'il y a dans son verre, lui, hein, tellement sexy. Je pense que je vais aller te voir. Là, t'es comme, yeah, baby, viens me voir. Tu veux voir ce que j'ai dans mon verre? Regarde bien. Ha, y'a rien! Ça peut être une bonne gimmick, ça peut être une bonne joke à faire, ça, quand même. Mais prendre un verre, pensez-y, parce qu'il y a trop de conséquences à ça. Deuxième expression. Y'a rien de mieux pour moi le matin que de me lever et au lieu d'allumer la radio, la télévision, aller sur Internet, ou juste sortir dehors et aller voir des gens pour m'informer de ce qui se passe dans la société actuelle, que de grimper dans un arbre, prendre un petit notepad, écrire les choses qui se passent quand je vois deux personnes qui circulent en avant de chez nous. Ensuite, descendre de l'arbre et aller dire à mon meilleur ami, « Hey, man, j'ai entendu ça d'un tel! » »« Oh, moi, comment c'est ça? » J'ai entendu ça entre les branches. Hein? Épais, t'as entendu ça entre les branches. C'est ça là. Comme t'avais rien à faire, quoi? T'as monté dans un arbre. T'as monté dans un arbre, risqué de te blesser les jambes, les bras, la tête, juste pour entendre ce que le monde se dit. Parce que l'Internet existe, là. Tu sais, les cellulaires à cette heure, là. Vite, là. L'information comme ça, là. Si tu fais ça dans un arbre, t'es bien épais. Monter dans un arbre pour ça, ça marche pas, là. Tu peux carrément juste aller faire tes grosseries,
voir des gens ou même juste aller fiouler ton char, tu vas rencontrer des gens puis tu vas être informé de ce qui se passe. Même lire le journal, ça existe aussi, c'est encore. Tu sais, mais dis, mais non, toi, tu te pètes un fun à monter d'un an puis risquer ta vie à chaque fois. Puis on parlera pas des saisons, tu sais, à l'automne quand les feuilles commencent à tomber, puis surtout si c'est l'hiver en plus, pis on gèle, qu'est-ce que tu vas aller faire d'un arbre? Tu sais, mais dis, tu vas aller te geler les d'un arbre juste pour le fait d'entendre du monde parler. Hey, moi, si je passe devant chez vous, on va avoir la chienne de te voir là. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, j'attends que tu parles. J'attends que tu me donnes du gossip. Marche pas ça, là, comme tu me donnes la chienne en hiver, là, ça marche pas. Je veux dire, pensez-y, là. Pensez-y sérieusement, qui c'est qui est le cave qui a pensé à faire ça? M'a monté dans un arbre, puis écouter le monde parler, puis écrire, ensuite descendre, puis informer le monde. Ça fait pas de sens, là. Monter dans un arbre, t'as dit t'en parles, là? En tout cas, moi, je me tiendrai pas avec tout ce monde dans un arbre. Non, fini. Troisième expression. Perdre sa chemise, slash, se faire laver. T'es irresponsable, toi, quoi? Hein? Comme, c'est quoi l'idée, là? Tu perds ta chemise. T'as perdu ta chemise. Tu l'as laissée où la dernière fois? Tu l'as portée où la dernière fois avant de la perdre? Comme, t'es irresponsable au bout de là, là. Puis en plus, tu t'es fait laver. Quoi, ils t'ont-tu mis une machine à laver, quoi? Tu t'es fait laver. Parce que souvent, j'entends, hey, man, j'ai été au casino, j'ai perdu ma chemise. Non, 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 c'est pas. Je sais pas pourquoi c'est toujours au casino que le monde perd leur chemise. Je sais pas où ils ont la tête. Perdent toujours leur chemise, mais il y a d'autres personnes qui peuvent perdre une chemise. Comme tu vas à une boutique de vêtements, dans une cabine d'essayage, puis tu peux carrément oublier ta chemise là, là. T'as viens pas me faire grève, tu perds ta chemise au casino. Mais encore là, je la comprends pas. Vraiment pas. Se faire laver. Comme t'es pas capable de le faire tout seul, tu t'es fait laver. T'es pas... Non, moi, je suis le genre de gars qui aime ça me laver. Hein? Je me sens propre, je le fais tout seul. Je le fais comme un grand. Je prends du savon, je le fais, je me sens propre, je suis heureux de même. Mais toi, c'est passé, tu sais quoi, tu sais pas comment? T'as besoin d'un livre d'instruction pour te dire comment te laver toi-même? Comme tu payes-tu pour une bonne parce que tu fais bien du bidou, tu payes pour une bonne pour qu'elle te lave? Assume-toi! Se faire laver! Hey, non, non, c'est tellement VIP! Hey, moi, je me suis fait laver hier! Yeah! Viens pas m'écœurer avec ça, t'es. Bravo! Mange un char, toi! Ça fait pas de sens! Pourquoi qu'on dirait ça, là? Perdre sa chemise, ça ne fonctionne pas non plus, là! Pour moi, t'es irresponsable! C'est comme barre la porte chez vous, reste chez vous, parce que sinon, si tu sors dehors, tu vas perdre tes culottes, tu vas perdre ton t-shirt, tu vas perdre ta casquette, tu vas perdre tes lunettes, tu vas perdre tes bagues! Ça fonctionne pas dans ma tête! Certains que tu peux venir me le dire, tu peux te confier à moi, hey, j'ai perdu ma chemise. Mais demande-moi pas de t'aider à trouver ta chemise. T'es assez grand tout seul, assume-toi, c'est ta faute, t'as perdu ta chemise, va retrouver. Et comme moi pas avec ça, moi, sympathique avec toi, pis si tu veux, là. Mais dans mon moment, je te maudis crétin, lui, t'es imbécile, perd sa chemise. Hey, tu sais qui perd sa chemise? Qui perd sa chemise? Donc, encore là, qui a inventé cette expression-là? Et pourquoi? Y a-tu vraiment quelqu'un qui est au casino pis qui a perdu sa chemise-là? Hein? Comme le monde qui l'aurait vu, ces caméras, tu sais, les gardes de sécurité qui sont devant les caméras d'un casino. Hey, ce gars-là, il s'en va, puis il a plus de chemise, faut y redonner. Il faut y ramener sa chemise, il s'en va pas de chemise, le pauvre gars, il va geler dehors, là. Ça fait pas de sens, man. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié mes trois expressions de journée. J'espère que ça vous a aidé. Ça m'a aidé, ça me défoule. Et sur ce, à la prochaine. Mais pensez-y avant de parler! Oh.